Iba diciendo ayer tarde que no había ninguna mujer buena. Iba diciendo ayer tarde, volví la cara para atrás y me encontré con mi madre. De pena me eché a llorar. Avec tout mon travail que j'ai fait, avec mes mains, je crois qu'elles sont pas abîmées. Elles sont doux, je crois. C'est ma petite fille qui l'a dit, hein. Attention. Tu m'as dado solamente dos fotos de las que yo te di. Hay una que te he puesto ahí porque estaba en el... te quedó arriba. Ça fait 50 ans qu'on vit ensemble. C'est pas si simple que ça. Parce que tu sais, on ne peut pas être tous les jours créatif vis-à-vis du couple. Hein. Et des fois, il y a des chocs avec des chandelles, avec des lumières et tout. Mais après, ça passe. Voilà, ça c'était une valise, ça fait 55 ans. Ça fait 55 ans que j'ai traversé la frontière suisse avec ça. Et puis, on avait tellement peu d'argent que ma mère elle avait trouvé ces vieilles valises. Voilà, les coutures, c'est ça, comme ça, tu vois. Allez. Chacun trouve un bouton, tout, bouton, bouton. Il a fait tout ça pour que j'aie une valise beaucoup plus présentable pour arriver à Genève. Tu m'as dit, quand tu arrives à la frontière, tu dis touriste, toi. Tu vois la tête des touristes qu'on a que quand on arrive. Pendant 3 jours, sans manger chaud, avec la barbe. Mais à ce moment-là, la Suisse en avait besoin tellement de gens qui venaient à travailler, surtout des jeunes. Quand j'étais arrivé à Genève, c'était l'idée de gagner suffisamment d'argent pour continuer mon voyage en Australie. Pourquoi en Australie? Parce qu'on nous avait dit là-bas, tu peux faire fortune, je ne sais pas, tu vois. Et puis, voilà, les choses changent, tu ne peux pas prévoir. Tu rencontres une jeune femme, une jeune fille, et tu tombes amoureux, et puis voilà, la vie continue. Moi, si je devais me marier encore une fois, je serais avec elle. Mais elle ne veut pas avec moi. Mais pas du tout. J'étais un privilégié que j'étais à l'école. Parce que ma mère était illettrée. Et puis il a fait tout que j'ai eu à l'école. J'étais à l'école jusqu'à 13 ans et après, je suis rentré dans une école pour apprendre l'apprentissage des chaudronniers.
ça sont des cahiers que j'ai trouvés quand mon père est décédé. Et puis, il s'achetait des magazines, il voyait. Tu vois, tout ça, c'est collé, hein? Tu vois. Oh, regarde, ça, c'est magnifique. Tu vois, le dos d'une femme, c'est toujours un des plus beaux paysages. Mais tu vois, je regarde ça, je découvre qu'il n'y avait pas de mauvais goût. Regarde-moi tout ça. Ah, tu vois, même Modigliani, il a mis ici Modigliani. Est-ce que savait lui qui c'était Modigliani? Ça, j'ai le doute. Il a eu de grands plaisirs de faire ça. On le voit, il ne s'ennuyait pas. Mon enfance, il était très riche. On n'avait rien à manger. On était très pauvres. Pour moi, petit enfant, que je puisse me promener au bord de la mer, dans la nature, c'était une richesse de ma vie qui m'a accompagné. Suisse comme ouvrier immigré en 1960. Forgeron serrurier, il sait travailler le fer, l'acier, le bronze, le plomb, tous les métaux, sauf les métaux précieux. Cette technique, alliée à un besoin profond de chercher à voir au-delà des apparences, ont fait de lui un sculpteur. Aujourd'hui, ça sert à quoi la sculpture? Ah, ça sert à quoi? Ça sert à beaucoup de choses, la sculpture. Quand je me promène, je vois des sculptures partout. Je pense que ça peut réveiller un peu la curiosité des gens. Il ne faut pas avoir peur d'avoir la curiosité de regarder qu'un show, même si au début on ne comprend rien du tout. Et le sculpteur qui a plus de sculptures à Genève, c'est moi. J'ai plus de 20 sculptures publiques à Genève, mais ça, personne ne le sait. Viens. Un petit peu là-bas. Allez, c'est bon. Descends. Ça sont des caresses, hein? Attention, hein? C'est lourd. Ah? T'es lourd? Un petit peu. Alors, on va les séparer un tout petit peu, on va les laisser un petit peu d'espace. C'est toujours une surprise de voir quelque chose comment se transforme de la façon qu'on est. Voilà, maintenant, il est bien.
On va la laisser après, on va la mettre dans la rue. Mais déjà même comme ça, ça vit, ça vibre, ça va. Bon, quand il nous donne des explications de ce qu'il fait, il faut vraiment aller très loin dans sa tête pour savoir ce que ça représente. Là. Je sais pas, il y contemple comme quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est beaucoup de l'outillage, c'est, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a cherché à représenter là-dessus. Il est extraordinaire, c'est... C'est le grand artiste, quoi. Et il a un cœur qui est très fort. Ça sera un chant de coquelicots ensemble, comme ça, un peu, va dire. C'est un artiste, mais quand on le voit travailler à l'endroit où il travaille, c'est quand même une personne qui sait travailler de ses mains, et il respecte les gens qui travaillent de leurs mains, quoi. Et ça, c'est très fort, quoi. Sois le bienvenu. J'étais à l'hôpital. Oui. Écoute, tu ne veux pas venir là-bas que la... Ah bon, bah, le poisson, c'est magnifique. Il a des photos de portrait de moi. Ah, fait plus de 40 ans. Mais il a fait les photos quand il a voulu les faire. Dans situation où il venait, se promenait, il faisait des photos. Des fois, il m'a donné quelques-unes. C'est à la fois un musée et puis un lieu de reclusion. Ça pourrait être l'endroit où un religieux se retire pendant la journée. Alors, je fais toujours le thé au pifomètre. Je ne sais pas si ça va vous convenir, mais je le fais comme ça. Et puis, voilà. On va le laisser. Je viens d'avoir 90 ans, 90. Oh, la jeunesse, c'est l'apprentissage avant tout, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est l'âge où on apprend toutes sortes de choses pénibles ou au contraire exaltantes. Et elles subsistent, elles continuent à résider en nous quand on lui fait honneur. La seule chose, c'est-à-dire de ne pas regretter les choses que tu as vécues et puis que tu as passé ta vie sans vivre. Il est beau ce chapeau, d'ailleurs. Je l'ai mis par la circonstance, parce que tu savais que tu venais à photographier, alors j'ai dit voilà. Ouais. Petite histoire que j'aime beaucoup, c'est-à-dire un petit enfant qui s'approche à l'esculpteur, qui vient de finir une sculpture et un cheval. Il lui dit, comment tu savais que dans ces blocs de pierre, il avait un cheval? Il a une âme, la matière. Et cette âme, il est caché quelque part. Et c'est l'artiste qui doit savoir où se trouve, il est sorti. Ah.
mets, je trouve. Ça, comment vas-tu? Bien, très bien. Tiens, voilà. Tout à fait. On y va. Tiens, attends, les petits monnaies. Ah, j'ai par chance, j'ai une poignée. Tiens, ça c'est le verre et ça c'est tout le verre. Ah oui. Voilà. Depuis des années qu'on se trouve et on fait une cérémonie. Moi j'aime bien viser. Hein. Moi j'aime bien faire du bruit. On jette ces monnaies dans le jardin, peut-être pour faire plaisir à les archéologues dans 2000 ans, qui trouvera toutes ces monnaies dans cet endroit-là. Il se demandera beaucoup de choses, beaucoup de questions. Parce qu'il doit y avoir des centaines de monnaies là, tu vois. Non, mais là, c'est bon. Toute la place qu'on a. Bien sûr. Bon, bah, allez. À tout à l'heure, hein? Ah oui, c'est vrai que... À tout à l'heure. On va ensemble au marché, mais c'est surtout pas ensemble. Alors, une boîte de carottes. Oh, s'il y en a un petit peu plus, c'est fait rien. Hein? Il vendrait plus tard. Ouais. Parce que lui me fera un prix. Bah oui. Tu me fais un prix. Hein. Bon. Tu me fais un prix. Je t'aime. On est à deux prix en toi. Et ça fait, je sais pas, 20 ans qu'on se connaît, on s'engole. Il me fait, des fois, il me donne des marchandises qui n'est pas terrible. Des fois, oui, des fois, non. Et puis, voilà. Et puis, tu vois, il va me faire un cadeau. Deux. Donne-moi deux. Ça va, la vie est belle. Écoute, la vie est belle. S'il n'est pas belle, il faut la rendre belle. Ce monsieur, ça fait aussi 30 ans qu'on se connaît. Ah oui, il était maigre, mince, beau. Eh ben, j'ai et puis il est devenu un tout petit peu plus gros. Un peu plus gros, mais bon. Il est toujours là. Voilà. Et le sac écologique en plus, hein, cette année. Merci. Hein? Maintenant, il faut. Hein. Depuis des années qu'on se connaît. Des fois, il me demande des nouvelles de mes enfants, des petits-enfants, des maris, tout ça. Et puis elle me donne aussi des nouvelles. Ça reste entre nous, hein. Allez, à la semaine prochaine. C'est un prêtre. Sur son évier, c'est un prêtre. Il prépare ses surprises. Il prépare ses improvisations. Regardez, bien des choses comme ça. Vous voyez tout ça? On va attendre un peu. Il a eu faim. Et il donne à manger. Ça se sent. Eh ben dis donc. Bah, alors, on en a. Moi, je commence par ces petits poissons. Je crois que c'est bien. Moi, j'ai déjà attaqué. Tiens, j'en mets. Les petits chinchards. Tu me donnerais un œuf, un demi. Regarde, il y a une écureuil qui vient manger ou il mange des oiseaux. Regarde. Là. Ah oui. Hein? Et il y a un oiseau qui attend. Tous les dimanches, c'était un petit peu un rituel. On fait, je prépare et puis on discute. Et des fois, il y a le silence. Voilà. Mais je crois que ça t'amuse, en tant qu'Espagnol du Sud. Qu'on ait comme ça ces échanges, tu es tombé sur un plus vieux Genevois que moi, c'est difficile. Mmh. On est venu à Genève à ces époques où il faisait quelquefois pas bon être protestant ailleurs qu'à Genève. Tu sentais le grillé un peu. Alors, t'en as des filets, des truites qui sont fumées, sont très bonnes. Avec un morceau de... J'en ai avalé un. Hein? Oh, oui.
un petit peu pour mon cher renard qui est par là. C'est mon copain. Alors il faut que de temps en temps je l'amène une petite fantaisie. C'est ça que je fais. Et des fois, j'ai fait le chemin pour apporter une petite fantaisie à Renard. Hein. De t'avoir dans mon territoire. Il ne fallait pas m'inviter. Hein. Ah, mais je n'ai pas invité. Tu sais, ça fait longtemps. Non, tu ne m'invites pas. Il y a 10 ans que tu m'invites. J'étais d'être ici. Oui, mais tu vois, je sais que tu es un homme très occupé. Vas-y, je te suis. Voilà. Oh là là. Oh là là. Écoute. Oh là là. Tout ça sont des projets. Les maquettes. Des choses qui ont été réalisées. Tu vois, ça, ça c'était... Ça, j'aime bien, ça, c'est... Voilà. Tu m'avais... Voilà, et puis ça a été fait. Ouais. Ça, c'est puis, magnifique, ça. Ouais. Et puis celle-là, ouais. Tu vois, ça a eu une discussion... Ça sera en acier ? En acier inoxydable. Oui, oui. Tu vois, cet auteur. Et puis... Et au moment... Ah, oh là là. C'est ça. Oui, l'échelle, oui. T'as l'échelle ici. C'est 5 mètres, 6 mètres ? Non, non, 4 mètres 30. 4 mètres 30. Alors, tu vois, ça, c'était... C'est bien, beau aussi, ça. Regarde ça, est-ce que c'est pas beau ça? Tout ça. Regarde ce visage. Hein? Tu sais, j'ai eu une maladie. Ça, je suis en train de lutter. La lutte contre moi, je lutte contre elle. Pour le moment, c'est moi qui gagne. Et puis, autrement, à 9h, je pars de chez moi, je viens ici. Et quand la lumière se part, je m'en vais. Mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Voilà, tout se passe comme ça, tous les jours, tous les jours. C'est la sagesse. Hein? C'est la sagesse. Je ne sais pas si c'est la sagesse. Je ne suis pas sage, tu sais, comme toi. Non. Ça fonctionne, ça? Oui. Ça marche. Mais tu sais, à l'hiver, je me chauffe avec ça. Regarde, ça, c'est beau aussi, ça. Voilà. J'adore ça. Tu sais que tu avais exposé il y a 25 ans. Oui. Ben, je me dis quand même que je vois le privilège, le bonheur de pouvoir être avec, dans un atelier avec l'artiste. Oui. C'est formidable. Et je regrette vraiment d'avoir raté beaucoup de choses. Je crois que c'était l'essentiel. Tu vois, un catalogue des photos, oui. Ça te donne une indication. C'est pas la même chose. C'est comme, tu vois... Toucher la personne que tu dois toucher, c'est différent. Moi, j'ai besoin de ces contacts, ça m'aide. Touche, moi. Tu sais que je suis immortel. Ah. Je suis académicien. Il y a peut-être un petit peu qui passe. Tu sais, j'étais à l'hôpital et j'ai eu le temps. Et puis j'ai commencé à voyager dans ma vie. Qu'est-ce que ça a été ma vie? Et pour finir, j'ai dit, ta vie, elle a été très riche. Je me suis dit, tu peux partir. Parce que tout le monde doit partir au grand voyage, c'est clair. Ça, c'est la richesse, vivre les émotions tous les jours. L'agua de la vida es una sola gota, es una sola gota, la gota de tu cara.